Oh là là, je crois que j'en arrivais. D'ailleurs, il y a un peu de turbulence. Mais normalement, Darkito est supposé m'attendre, d'après ce que j'ai compris. Oula, ça... Je sais pas, j'ai peur que ça ait trop changé pour Kaven. Vous pensez qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ou pas? Oh, il y a Darkito, je crois. Là, il y a la nouvelle voiture. Ah non, c'est toujours l'ancienne voiture. Bah, il n'y a pas changé de voiture depuis. Darkito, Darkito, je suis trop contente de te voir. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh bah oui, je t'attendais à l'aéroport. Bah tu vois, franchement, ça fait super longtemps entre, tu sais, tes vidéos Snapchat et tout. Bah franchement, je t'attendais vraiment depuis super longtemps sur Brookhaven. Alors coucou, Miss Darkito, c'est moi. Et attends, qu'est-ce qui est en train de chanter à côté? Je sais pas, attends, je vais voir. Bah, Mini Darkito, tu fais de la guitare ou bien t'habites ici? Un peu de billets pour Mini Darkito, parce qu'il s'est fait virer, s'il vous plaît. Miss Darkito? Mais qu'est-ce que tu refais là? Bah ça fait au moins 2 mois que je t'ai pas vu sur le Brookhaven. Franchement, tu sais quoi? Tu nous as abandonnés avec Minimix et tout. Et franchement, bah moi je me retrouve comme ça à habiter ici. Voilà. Bon, ça tombe bien, Miss Darkito, parce que j'ai décidé d'oublier tout le passé et de me dire que bah tu me fais un peu peine là, comme ça. Du coup, j'espère que Darkito va être d'accord, mais en fait, j'ai pas dit. Tu vas venir habiter avec nous à partir de maintenant. Oh, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Et c'est quand à partir de maintenant? Genre maintenant tout de suite à la maison de Darkito? Oh, bah merci, j'y vais tout de suite. Oh là là les amis, en plus je sais où il habite Darkito. Ah là, cette nouvelle maison là, la nouvelle maison de Brookhaven. Franchement, je vais m'installer comme jamais. Ah, j'ai vraiment hâte, j'espère vraiment que... Bah ça veut dire qu'ils sont ensemble. Moi je pensais qu'ils s'étaient séparés parce que je voyais peu de vidéos avec Miss Darkito, Darkito et tout. Mais en fait ils sont toujours ensemble en fait. Trop bizarre. Bon, en tout cas, oh, sa maison à Darkito, bah, je l'adore. Franchement, c'est la meilleure maison de Brookhaven. Hop là, je vais m'installer ici. Oh, c'est vrai qu'il y a les petits chats. Coucou, Iria. Coucou, Cracotte. Bon, allez, hop là. Allez, hop, 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 hop. Ah oui, mon perroquet, faut que, genre, mon perroquet, il a gardé Darkito, c'est vrai. Ah, oh, coucou le perroquet. Coucou, coucou, coucou. Ouais, trop bizarre sa voix. Il a vraiment une voix super bizarre. Il me ressemble un peu d'ailleurs. Bon, allez, ça c'est ma chambre. Ça veut dire, oh, génial, je vais pouvoir m'installer. Je vais installer mes affaires. Bon, bah, il est déjà parti. Darkito, d'ailleurs, avant tu as parlé de Snapchat, mais j'ai jamais fait de vidéo, moi, sur Snapchat. Allez, go, c'est moi qui conduis. Allez, c'est parti. Et ça fait super longtemps que j'ai pas vu la maison. On habite toujours au même endroit ou pas? Alors, pas du tout. Regarde la maison. La maison là-haut, bah, c'est la nouvelle maison de Brookhaven. Bon, je t'avoue, j'ai pris une petite location comme ça, tu sais, pour quelques petits mois, pour être tranquille, tu sais, elle a un petit peu éloignée de la ville. Parce que franchement, mais qu'est-ce que tu fais avec la voiture? T'arrives plus à avancer ou quoi? Ah si. Bah en tout cas, ouais, un petit peu éloigné de la ville parce que franchement, je sais pas si tu vois, autour de nous, la ville de Brookhaven, elle s'est un petit peu agrandie depuis que t'es parti. C'est bien ce que je me suis dit. Il y a des trucs qui ont changé ici. Va falloir que tu me fasses visiter Brookhaven quand même, hein. Allez, moi je vais dans la chambre. Attends, par contre, elle est où la chambre en fait? Elle est au premier étage ou elle est en bas? Bon bah je vais regarder, c'est pas grave. Oh, c'est quoi tout ça? Bah c'est quoi toutes ces affaires? Darkito, il comptait déménager ou quoi? Bah, Mini Darkito? T'as vraiment besoin de tout ça, mais t'avais tout qui rentrait dans une tente, je comprends pas. Ah, mais la tente, bah non. Non, non, c'est une tente magique. Quand tu rentres dedans, pouf, bibaboum, bababoum, bababoum, c'est immense. Bah en fait, non, en fait, mes affaires, je les avais cachées dans un garage. Et donc, du coup, bah j'ai tout récupéré. Par contre, tu peux éviter de regarder mes billets et mon or? Mais comment c'est possible? Attends, mais t'as vraiment tout ça comme argent? Mais pourquoi t'habites dans la rue alors? Faut pas le dire, c'est un secret, c'est un secret. Ah, je me bloquais dans les toilettes. Ah non. Elle va démasquer mon secret. C'est pas très net quand même tout ça. Bon, j'ai pas le temps. Là, j'ai vraiment trop de choses à m'occuper. Je m'en occuperai du coup plus tard. Et c'est notre chambre ça, mais c'est qui lui? Et le perroquet? Coucou, t'es moche. Oh bah il est pas sympa celui-là. Ah bah tu vas finir en bas toi. Ou plutôt avec Midarkito, c'est mieux. Bon, je vais descendre pour voir ce qu'il est en train de faire Darkito. Hein, parce qu'en tout cas, bah t'es là. Bah, tu t'es déjà installé et tout. Je t'ai demandé de me faire visiter toute la ville. Eh oh, pour que dormir, c'est pas possible. Bon, Darkito, moi, je veux regarder la ville. Dis-moi tout ce qui a changé et on y va tout de suite. Ouais, tu sais quoi? Je vais faire quelque chose. Attends, Miss Darkito, attends-moi. Attends-moi, je vais te faire visiter. C'est moi qui vais te faire visiter. C'est moi. Tu viens avec moi? Darkito, c'est bon, je peux lui faire visiter, s'il te plaît. Oh, quoi que ça va être drôle avec toi. Et au moins, ce qui est sûr, c'est que toi, t'as l'air d'être sympa et de vouloir bien passer du temps avec moi, contrairement à Darkito. Je sais pas ce qu'il a avec la télé, c'est bizarre. Mais Darkito, pourquoi tu lui fais pas visiter d'ailleurs? Attends, il y a mon programme qui va commencer à la télé. Je lui fais visiter tout à l'heure. Non, c'est moi qui y vais. Allez, tchuss. Hop là. Oh, on va visiter... Je vais te faire visiter Brookhaven, les nouveautés. Franchement, tu devrais voir ça. Il va se passer quelque chose d'incroyable en plus si je te vais visiter. Donc là, regarde. Là, t'as raté tellement de trucs. Ça fait quoi? 1, 2,
3 mois que t'as pas fait de vidéo sur Brookhaven, même 5, 6, depuis janvier, je crois même. Non, c'est ça, c'est janvier. Tu sais, ça fait tellement longtemps que j'ai même plus compté. Oh, ça m'a vraiment beaucoup manqué quand même. Même si, je sais pas, j'ai l'impression que pas grand-chose a changé. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Attends, regarde, je vais te montrer ce qui a changé. il y a des nouvelles maisons, regarde, je vais te montrer une maison. Franchement, elle est vraiment incroyable. Et voilà la nouvelle maison. Allez, bon courage pour trouver l'entrée. Bah, c'est quoi ce truc? Attends, mais y a pas d'entrée? Minarquito, c'était une blague en fait, mais elles sont vraiment bidons ces blagues. Mais non, allez, regarde, je vais t'aider un petit peu, regarde, j'appuie sur le bouton ici et pouf! Allez, va visiter ça. Oh, waouh, mais par contre, on dirait vraiment un piège, t'es sûr que je dois rentrer à l'intérieur? Bon, bah, je te fais confiance. Oula, c'est quoi tous ces trucs? Ok. Bah, je suis dans un ascenseur, mais on va atterrir où? Y a vraiment une maison ici? C'est pas une maison, c'est un endroit pour espionner. Imaginez si j'ai découvert enfin le secret de Minarquito. Et ça veut dire qu'en fait, il est cambrioleur! Ou bien détective privé? Mais comment il a gagné autant d'argent? C'est pas possible, il faut que je le sache tout de suite. Oh mais attendez, j'ai découvert un truc. Apparemment, j'ai accès à une caméra secrète. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, Darkito avec un nounours, mais il est vraiment bizarre en ce moment, je sais pas. Déjà, il me calcule pas, il veut pas me faire visiter la ville. Et en plus de ça, il est en train de parler à un nounours. Il raconte quoi? Ah la petite doudours, si tu savais quand même. Franchement, tu sais quoi? Bah en fait, vu que tu me parles même pas, petit doudours, je vais te donner à manger à Cracotte. Tu sais, derrière là, il est en train de dormir. Dès qu'il se réveille, eh ben, il va te manger. Tout cru, comme ça. Et comme ça, plus de nounours. Non mais attendez, c'est une blague? C'est-à-dire que depuis tout ce temps, il a caché doudours alors que j'ai cherché partout? Oh non, en plus il va donner à manger à Cracotte. Non mais il va... Pff, c'est n'importe quoi. Bon, Minarquito, il est passé où? Lui m'a pas enfermé ici quand même. Ok, hop là. Minarquito! Ah, ça va, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir sortir d'ici. Bon, c'est quoi le prochain truc qu'on doit visiter? Ah, la suite, allez, viens avec moi. Oh là là, franchement, t'as vu cette base secrète? C'est vrai que c'était pas mal, quand même. J'espère que la suite, elle est encore mieux que ça. Ah, si tu savais la suite. Franchement, bah, t'as pas raté grand-chose, à part que l'essence, maintenant, elle coûte, deux fois plus cher. Bah ouais, l'inflation, tu connais. Et après, ensuite, regarde, ils ont mis des panneaux publicitaires sur Brookhaven. Regarde, faut vraiment que je te montre. Attends, on va aller voir ce panneau publicitaire, il y en a partout. Maintenant, je sais pas, Wolfpack, il veut s'enrichir en faisant des pubs de sur Brookhaven. Regarde, il y a une pub pour le film, tu sais, avec les mignons, là. Franchement, trop bizarre qu'ils aient mis des pubs pour ça. Bon, en tout cas, je sais même pas si je vais aller le voir, ce film. Moi, j'aime bien les trucs qui font blablabla, comme ça et tout, mais franchement, je sais pas, tu vas le voir, toi, ce film? Non, je vais pas le regarder. En plus, ça veut dire comme quoi ils veulent toujours gagner plus d'argent, mais c'est quoi ça en fait? Oh là là, non mais ils pourraient au moins baisser le prix de l'essence, comme t'as dit. Bon, mais Darkito, tu m'emmènes où là? J'ai l'impression qu'on va au fin fond de Brookhaven, ça me rassure pas plus que ça. Mais non, t'inquiète pas, je vais te montrer ce qu'ils ont rajouté sur Brookhaven depuis. En fait, finalement, j'ai l'impression qu'ils ont pas rajouté grand chose. Ah, mais attends, en fait, je sais. Faut que Darkito il prenne la maison de président. Ils ont rajouté un truc de président sur Brookhaven. Je sais pas si t'avais vu ça. Un truc de président? Mais... Attends, mais pourquoi il y aura un président sur Brookhaven? Dans ce cas-là, je vais envoyer un message à Darkito pour qu'il la fasse tout de suite. Ah bah, il a été super rapide, regarde. T'as juste envoyé le message et genre 30 secondes après, regarde ce qui est apparu en haut. Je crois qu'il a mis la maison de président. Oh, mais attends, ça veut dire que s'il a mis lui, ça veut dire que lui, c'est devenu le président de Brookhaven. Du coup, il est le président, mais attendez. Trop bizarre, il a été super rapide pour la mettre. Bon, moi je vais te la faire visiter parce que franchement ils ont acheté tellement de trucs, mais à la fois pas grand chose. C'est vraiment bizarre parce que on n'a pas eu de nouveaux trucs, de nouveaux bâtiments, on a juste eu des nouvelles maisons. Ça va, t'as pas raté grand chose finalement. Finalement tu peux repartir 6 mois et dans 6 mois il y aura rien d'autre. Oh bah, Darkito, pourquoi t'es énervé? Bah peut-être parce que j'étais tranquillement en train de regarder la télé et vous m'envoyez un message pour mettre une maison de président. Ok, je veux bien être le président de Brookhaven, mais c'est bon, vous pouvez aller la visiter tranquille. Je suis énervé moi, je peux même plus regarder la télé. En plus il y a même pas de télé dans ce bâtiment. Ah bah ça tombe bien Darkito, parce que justement je voulais te dire un truc, c'est quoi cette histoire de président? Ça veut dire que t'as été élu sans élection, mais comment c'est possible? Attends, on est dans une démocratie quand même. Et par contre dis-moi, si t'es président, tu vas faire quoi? Bah déjà, premièrement, si je suis président, bah déjà faudrait aller voter avant que je sois président. Mais mon programme, tu sais quoi? On aura qu'à organiser l'élection du président de Brookhaven. On fera ça, je sais pas moi, je vois bien ça un dimanche par exemple. Attends, c'est bizarre, c'est-à-dire que du coup il y a une maison de président mais t'es pas président alors qu'on m'a dit que t'es président? C'est trop compliqué, hein. Bon, bah tant pis, moi je vais visiter. Si personne fait président, bah je suis la présidente de Brookhaven. Allez, les amis, hop là. Bah, c'est bleu, c'est beau.
Oui, c'est beau. Allez, on va monter et j'espère qu'il y aura des trucs plus impressionnants à l'étage. En tout cas, à part des vieux lustres et des vieux bureaux, bah c'est pas hyper intéressant. Hein. Moi, je pensais qu'elle allait avoir un jacuzzi dans l'endroit du président, je sais pas, un peu pour se détendre et tout, c'est un peu stressant dans la politique. Bon, on va aller voir l'extérieur quand même, j'espère qu'il y a un truc sympa. Oh, une piscine! Bon, elle fait un peu la taille des piscines de toutes les autres maisons. Je suis un peu déçue quand même. Et ils sont où, Darkito, Midarkito, là? Faudrait que je fasse un discours. Bah, t'es énervé, Darkito? C'était pas ton idée de la faire revenir sur Brookhaven? Bah, si, mais disons que, je sais pas, elle veut être présidente, ensuite, elle prend toute la place dans le lit. Bah, moi, tu sais quoi, je sais pas si elle doit finalement revenir sur Brookhaven comme ça, là, du jour au lendemain, alors qu'elle était sur Life Together, sur Berry Avenue. Et là, comme ça, elle revient sur Brookhaven. Franchement, c'est aux abonnés de décider si c'est une bonne idée ou pas. Je sais pas ce que t'en penses. Oh, ils sont longs, ils doivent sûrement parler de moi, encore une fois. Eh, les garçons, vous arrêtez comme ça de blablater pour rien. En tout cas, moi, en tant que présidente, je voudrais que vous fassiez tout ce que je veux. Ha! Ça t'en demande pas, Miss Darkito. Il est en train de dire que tu prenais toute la place dans le lit, que à chaque fois de la nuit, limite, il tombe par terre, et que du coup, il veut pas que tu reviennes sur Brookhaven. Bon, après tout, ça vous concerne pas plus que ça. Hein. C'est aux abonnés de décider si je reste sur Brookhaven ou si je pars. Bon, après, si je pars, je fais quoi comme vidéo? Bon, les amis, franchement, je suis trop heureuse. C'est bon, je suis présidente. Et du coup, comme j'ai déjà dit hier, j'ai Mini Darkito et Darkito qui sont à mon service. Du coup, je vais en profiter pour pouvoir leur faire une misère. Mais juste avant ça, je vais changer de tenue parce que je pense qu'une présidente, ça s'habille pas du tout comme ça. On va essayer de trouver une tenue un peu plus adéquate. J'espère qu'il y a une armoire spéciale ici. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un bon costard ou je sais pas, moi, une petite jupe tailleur. Un truc cool en fait. Je crois avoir trouvé enfin la bonne tenue et c'est vraiment parfait. Enfin, je sais pas si c'est bleu ou pas. Pas de temps à perdre, parce que là, je vais enfin appeler mes serviteurs. Oh, bah attends, j'ai reçu un message. Toi aussi, Darkito, t'as dû recevoir un message. Je crois que on est appelé dans le bureau du de la présidente. Ouais, c'est une présidente, et elle s'appelle Miss Darkito. Purée, elle est devenue présidente. Oh non. Oh non, 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 on est à sa servitude, ça veut dire. Oh non, 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 je crois que j'ai peut-être un problème de 5G ou de 4G, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, l'horreur, c'est toi la présidente. Depuis quand? Eh oui, c'est moi la nouvelle présidente et vous allez être là pour me servir. Bon, déjà, ce serait bien que tu me parles avec un peu plus de respect. Hein? Toi aussi? Non, 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 c'est pas possible. Elle est présidente de Brookhaven. Mais c'est pas possible. Non, 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 j'y crois pas. T'y crois, Sammy Darkito? Non, j'y crois pas. C'est trop bizarre. Je pense qu'elle a truqué l'élection ou elle s'est auto-proclamée présidente. Mais du coup, pourquoi on est là, Miss Darkito? On est là parce que je vais envoyer déjà... Darkito allait faire... attends, non, le contraire. Je vais envoyer Mini Darkito aller faire du shopping pour moi. J'ai fait une petite liste, du coup, bah, je te l'ai envoyé justement avec la 5G. Et du coup, tu l'as reçu. Et Darkito va me faire des massages des pieds. Ça va être trop bien. Bah non, en fait. Normalement, une présidente, c'est censé régler les problèmes du pays de Brookhaven. Par exemple, regarde, tu vois pas que les poubelles débordent de partout dans Brookhaven et qu'ensuite de ça, bah, la police municipale de Brookhaven, elle est débordée par le travail qu'il y a à faire. Et ouais, il y a beaucoup de délinquance, des tirs, des kidnappings, des problèmes de route. Ouais, ouais, il y a des gens qui se garent n'importe où. Et tu vois pas qu'il y a d'autres problèmes que tes pieds? Eh bien, ça tombe bien, Midarkito. Quand tu vas aller faire un petit shopping pour moi, tu vas en profiter pour ranger toutes tes poubelles et demander aux gens ce qu'ils ont besoin. Ah non, sûrement pas, les poubelles c'est Darkito. Moi par exemple, je sais pas, regarde, il y a des trous dans la route. Il y a des réparations à faire, il y a des trucs. Tu veux pas que je fasse ça plutôt? Mais juste, de temps en temps. Mais Darkito, t'as pas compris, je suis présidente et tu vas faire ce que je te dis. Donc tout de suite, tu vas aller faire ce que je t'ai demandé de faire, du shopping, et tu vas aller ranger toutes ces poubelles. Ok, chef. Voilà. Hé, hey, tu crois que je prends pas un peu pour, je sais pas moi, Genre, je sais pas, la reine, c'est pas une reine, on n'est pas à l'époque des rois et des reines, non? C'est trop bizarre, franchement. Les amis, je suis pas trop d'accord avec ça, aller du shopping, je lui acheter quoi, vous pensez? Oh, j'ai une idée. Et si je lui achetais un déguisement, je sais pas moi, de reine? Parce que ouais, elle se prend pour une reine, celle-là. Oh là là, franchement, c'est n'importe quoi. Ou vous savez quoi? Elle a pris trop le melon. Bah, je vais lui offrir du melon. Franchement, c'est n'importe quoi, une présidente comme ça de Brookhaven. Depuis quand ça existe d'ailleurs, ce truc? C'est vraiment incompréhensible. Je comprends pas, moi. Bon, allez, moi, je vais faire du shopping. Bon, Darkito, je rigolais, hein. Pas un petit massage des pieds. Tu vas me faire juste un bon massage et on va passer un bon moment tranquille dans la piscine. Par contre, si t'es pas très sympa, j'irai te faire faire le trou des routes, là, justement. Ok, mais tu vois pas qu'il y a des problèmes, quand même, dans Brookhaven? Je veux dire, regarde, la station de ski, elle a fermé.
Eh oh, fais ce que je t'ai demandé et surtout, en premier point, prépare-moi un bon cocktail. Mais je suis pas un majordome, moi. Je suis normalement censé devenir, je sais pas moi, le premier ministre. Bah ouais, je suis censé créer des lois, faire des trucs, mettre les méchants en prison et réparer Brookhaven. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire, franchement. Surtout que, je sais pas si t'as vu, mais là, il y a trop de problèmes sur Brookhaven. Ça va pas du tout. Ok, j'ai compris, Darkito. Bon, Darkito, ça va pas du tout, là. Je t'explique. Tu vas pas du tout passer du bon temps avec moi, finalement. Tu vas aller réparer les trous sur les routes, aider les gens. Et bref, je te dirai tout ce qu'il y a à faire. Moi, pour l'instant, j'ai une détente dans la piscine. Et puis, c'est tellement éreintant d'être présidente que... Oh là là, j'ai besoin vraiment de souffler, là. C'est trop dur. Oh, il faut régler tous les problèmes des gens et tout. En plus de ça, bah franchement, personne ne m'écoutait. Les serviteurs m'écoutent même pas. Allez, c'est bon, je vais me détendre. Et puis, au pire des cas, bah c'est moi qui décide, hein. Alerte info, un fou dans la ville traîne, c'est n'importe quoi, il se passe plein de trucs bizarres. Et en plus la présidente elle fait rien, que va-t-il se passer? Oh non, elle est vraiment nulle cette présidente. Bah ouais, ce qui va se passer c'est simplement que je vais réparer des routes et l'autre il va faire du shopping. Franchement, les amis, on est d'accord, elle est vraiment nulle cette présidente, non? Je vais faire quelque chose de vraiment dangereux. Je vais faire de la musique en chantant n'importe comment. La présidente, je vais te casser les oreilles. La musique, génial, c'est trop gentil d'être venu. Bon, bah, j'aimerais bien un petit peu du latino, s'il vous plaît. Oh non, il y a le fou avec la guitare. Faut que j'aille sauver la présidente, de suite. Vous chantez tellement bien, c'est dingue. Par contre, c'est quoi cette tenue? Je comprends pas, il y a un déguisement aujourd'hui? Attention, vite, Miss Darkito! Faut partir d'ici, vite, rentre dans le truc! Mais hein, quoi? Mais non, tout va bien, attends, il chantait super bien le monsieur, là! Eh, monsieur, vous revenez une prochaine fois, d'accord? Bon, ben, salut, hein, j'ai pas le choix, apparemment. Mais qu'est-ce que tu fais, Darkito? C'est la honte, là, attends! Le pauvre, il s'est investi et tout, il savait trop bien jouer la guitare, et toi, tu me récupères comme ça, et on va tomber de la... C'est quoi? C'est une falaise, là? Oh là là, non, mais Darkito! Lâche-moi de là! Non, t'as pas regardé l'actualité! C'est le fou à la guitare! Il va casser les oreilles de tout le monde! Et si tu serais resté quelques secondes de plus, eh ben, tu serais devenue sourde! Complètement! Et franchement, je t'ai sauvé la vie, Miss Darkito! Parce que, ouais, il chante tellement mal que... qu'il fallait que je te sauve d'ici! Oh, en plus, les routes, regarde comme elles sont super mal faites! Tu veux pas enlever ces panneaux publicitaires vu que t'es présidente de Brookhaven? Il y en a partout, ils font de la pub maintenant! Il y en a des panneaux publicitaires de partout, c'est moche, c'est pas beau! Mais n'importe quoi, Darkito, attends, t'es parano ou quoi? En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que les routes, je te demande de les faire et tu l'as même pas faite. Donc si elles sont KO, ben c'est de ta faute. Oh, c'est pas possible, ce serviteur a jamais écouté, alors? Et mais Darkito, il est passé où? Franchement, je passe la meilleure vie que j'ai jamais passée. Avec la carte bancaire de la présidente, je suis en train de me payer plein de trucs, hop là. Qu'est-ce que j'allais faire du shopping, moi? N'importe quoi, bien sûr, je me suis payé un yacht avec l'argent du président, enfin de la présidente. Franchement, bah c'est trop trop cool la vie de président. Ah là là. Bah en fait, cette fois, ça va être moi le prochain président. Vous savez ce qu'on va faire, hein? Je vais appeler Darkito en secret et je vais lui proposer, par exemple, je sais pas moi, qu'on devrait organiser une élection. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas eu d'élection là. L'autre, elle est arrivée comme ça, tac, elle revient de Brookhaven. Ça fait 6 mois qu'elle a pas fait de vidéo. Et en plus de ça, elle est en train de nous dire qu'elle est en train de devenir présidente de Brookhaven, qu'elle veut tout changer. Alors qu'il y a plein de problèmes sur Brookhaven, franchement. Les amis, votez pour moi s'il y a une élection. Attends 2 secondes, Miss Darkito. Faut que je réponde à un appel. D'accord, Miss Darkito. Ok, oui, c'est bon. Et... Ah, il a été arrêté. Oh, super. Comment t'as su ça? Aux informations. Ok, bah génial, on peut retourner à la maison de président. Je vais lui dire, tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends rien. Attends, il se passe quoi? Bon, je vais quand même aller récupérer parce que là, d'après ce que j'ai compris, le fou à la guitare, il s'est ramené dans la maison de président et il a été arrêté par la police. Bah ouais, au moins des gens compétents parce que chez la présidente, bah tout se passe très très mal en tout cas. Bon allez, je vais prendre une voiture et je vais aller récupérer. Bon, j'avoue que ça fait pas très président de la République, mais en tout cas, ça va faire l'affaire. Allez, j'arrive, on est peace and love ici. Franchement, les amis, la route elle est dans un sale état ici, franchement... La présidente a fait n'importe quoi. Moi, je suis sûr que je vais me présenter. Et si je me présente, faut que tout le monde vote Miss Darkito. Comme ça, il y aura des frites tous les jours à la cantine. Ouais, parce que les frites, c'est trop bon. Vous aimez les frites, vous aussi. Frites, ketchup, mayo, sauce moutarde et tout. Hey, salut, c'est beau, je suis là. Il est pour moi le camion, attends, mais... Je suis quand même présidente, hein. J'aurais pas monté dans ce truc-là, on dirait une épave. Bon, d'accord. Ok, c'est bon, super. Ok, les instructions, d'accord. Ok, c'est bon, on fait ça. Mais vous faites quoi? Il se passe quoi ici? J'ai l'impression que je me fais kidnapper, c'est trop bizarre. Darkito, parle-moi s'il te plaît. Eh non, c'est moi qui vais te parler. En fait, je vais t'expliquer. Là, avec Darkito, on vient de se mettre d'accord pour organiser une élection de président de Brookhaven. Donc tu sais quoi? On va faire une élection et on va désigner qui c'est le prochain président de Brookhaven.
parce que du coup, on a vu que t'es incompétente et que bah du coup, le peuple, il ne veut plus de toi. Parce que tu fais n'importe quoi, tu achètes des yachts. Bah ouais, t'as acheté un yacht avec ta carte bancaire, il y a même pas deux heures. Et en plus de ça, du coup, faut que les gens ils votent pour le prochain président ou présidente. Parce que t'as le droit de te présenter, mais de toute façon, je vais gagner dans tous les cas. Et voilà. Mais Darkito, mais ma carte bancaire, justement, elle est passée où? J'ai jamais acheté un yacht, c'est pas possible. Ah, c'est quoi encore cette histoire? Et, bah non, on va pas élire un président, c'est moi la présidente, ça sert à rien. C'est bon maintenant, on sait qui c'est. Bah non, on a qu'à demander aux abonnés, tu sais quoi? On demande aux abonnés ce qu'ils en pensent et s'ils veulent une élection de président de Brookhaven. Franchement, moi je suis sûr qu'ils diront oui. Donc maintenant, la Maison Blanche, elle va devenir, pas blanche, du coup. On va faire une élection de président. Tu sais quoi? Je vais organiser tout ça. On va faire un scrutin avec tous les électeurs des abonnés. Et comme ça, on va pouvoir choisir le président de Brookhaven. Oh non, j'aimais bien moi être présidente. Bon, après tout, vous n'étiez pas vraiment des très bons serviteurs, hein, ça c'est sûr, parce que franchement, je vous ai demandé plein de trucs, vous avez rien fait. Et s'il devrait y avoir un président, moi j'ai dit que ça devrait être Darkito. Parce que Darkito, bah je sais pas, je vois bien président. Mais Darkito, toi tu vas faire n'importe quoi, et ça va devenir une espèce de grosse fête dans la ville, ça va être le bordel. Ah bah moi, ce qui est sûr, si je suis président, je donne 15 000 Robux à tout le monde. Darkito, président! Et moi, première ministre! Oui, minimum, hein, au moins femme du président. On est toujours mariés d'ailleurs, non? Bah... On n'a jamais été mariés, Miss Darkito. Qu'est-ce que tu racontes? Trop bizarre tout ça. Bah si, Darkito, souviens-toi, il y a un mois, on s'était mariés en plus, quand on était à Gibraltar, je crois que ça s'appelait, non? Oh non, t'as spoil l'émission qui va arriver. Vous connaissez l'émission où je dois me retourner et je connais pas la personne? Ah bah pour le coup, là, tu me connaissais bien, hein. Et ce qui est sûr, c'est que t'as dit oui. Alors du coup, bah voilà, on s'est mariés, enfin sur Brookhaven, hein, parce que dans la réalité... Bon, ça aussi, hein, peut-être. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il y a les élections. Et bah, c'est moi qui vais gagner, on le sait très bien. De toute façon, c'est moi la présidente. Allez, vite, Miss Darkito, ça va commencer les élections. Est-ce que tu veux voter avant moi ou après moi, là? Franchement, il y a 3 candidats. Ah bon, 3 candidats? Mais je pensais que j'étais toute seule. C'est qui les 2 autres? Bah, il y a Darkito et... Non, pas Miss Darkito, quand même. Bonjour, c'est pour voter, s'il vous plaît. Alors, bonjour, madame... pour qui allez-vous voter? Bah, j'ai pas vous le dire, en tout cas, j'ai pas voté pour Darkito, ça c'est sûr. Non, je rigole. Bon, allez, tenez. Et voilà, j'espère que vous avez pas regardé quand même. Bon, de toute façon, j'ai voté pour lui. Et je voterai pas pour une Darkito, ça c'est sûr. Hein. Imaginez si une Darkito devient président. Oh là là, ça va vraiment être un carnage, Brookhaven. Bon, à moi d'aller voter. Voilà, Darkito, je veux voter pour moi. Techniquement, c'est pas impossible, tu peux en effet voter pour toi, mais normalement t'es pas censé me dire pour qui tu votes. T'as juste à déposer ton petit papier là, ici, au niveau des papiers devant moi. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Allez, voilà, j'ai hâte des résultats. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est pour le vote, c'est bien ça? Vous voulez voter? Ah, bah oui, pour qui vous croyez? De toute façon, moi, je suis le scientifique et je connais déjà l'avenir. Si vous voulez, je peux vous dire que dans 50 ans, il n'y a plus de Brookhaven. Vous voulez voir à quoi ça va ressembler? Voir à quoi je ressemble? Non, pas du tout, mais je connais quelqu'un qui aimerait voir à quoi ça ressemble, Brookhaven, dans 50 ans. Vous pouvez aller la voir, elle est à l'extérieur, elle s'appelle Miss Darkito. Vous me prenez pour un fou, quoi. Bien sûr que je veux savoir ce qui va se passer dans 50 ans. Regardez, je vais lui montrer à Miss Darkito. Miss Darkito, vous allez voir. Si Darkito est élu, ce qui va se passer? Hey, Miss Darkito! Vous voulez voir ce qui se passe si Darkito il est élu? Bonjour, on se connaît, vous êtes qui? Moi, je suis le scientifique! Le scientifique le plus fou de tout Brookhaven! Alors, est-ce que vous voulez voir ce qui va se passer? Bah écoutez, pourquoi pas, hein, mais je pense qu'il va rien se passer de nouveau! Ça fait longtemps qu'il s'est passé rien d'intéressant sur Brookhaven! Je sais pas si bien dire, allez, viens avec moi! Oh là là, pour qui elle se prend, elle croit vraiment qu'il va rien se passer? Si on savait ce qui allait se passer, franchement. Je vais vite préparer son petit truc. Et les amis vont se retrouver plongés dans la dimension si Darkito est élu. Voilà, téléportation, 50 ans, si Darkito est élu président. Parfait. Il est vraiment bizarre, lui, il me rassure pas trop. Vous pensez que ça va être la fin de Brookhaven et si Brookhaven allait disparaître? Oh non, j'espère que Brookhaven il sera toujours là. Dites-moi que tout va bien et Darkito il ira bien. C'est quoi cette machine? Parfait. Vous devez le toucher dans 4, 3, 2, allez vite! Pourquoi je suis toute seule ici? Pourquoi je suis toute seule? Bon, bah je vais le toucher, on va voir ce que ça fait. De toute façon, ça va pas faire grand chose. Allez, hop là! Ah, ma petite dame! Alors, vous êtes bien là? En 2000,
64 ? En 2064 ? Mais attendez, y a rien qu'à changer ici, c'est toujours la même chose, y'a toujours la maison du président. D'ailleurs, elle est en super bon état hein, pour avoir autant vieilli. Et ce qui est sûr, c'est que vous aussi, vous avez pas changé, monsieur. Et le ciel, c'est un peu bizarre par contre. Bon, peut-être c'est un coucher de soleil, j'en sais rien moi. Eh, Darkito, je tombais sur un mec qui était complètement dingue. Il était complètement fou et apparemment, je suis en 2064. Bah alors, t'as pris un coup de soleil ou quoi ? Oh non. Va voir. Diablito. Miss Darkito, je pensais t'avoir tué il y a encore de ça 15 ans. Et tu es encore là. Ah, en fait, j'ai compris. C'est un prank. Je suis filmée, c'est ça ? Et c'est pas drôle, Darkito. Allez, arrête. Et puis, en plus de ça, tu l'as vu, toi aussi, le monsieur, la scientifique. Tu penses que tu vas gagner les élections ou pas ? Mais de quel scientifique tu me parles ? Oh, voilà, allez, sors d'ici, ou sinon, je vais encore te retuer. Sauf si c'est moi qui te tue avant. Non, bon, je rigole, l'archidole, jamais tué, je t'aime, tu sais très bien. Bon, on a quoi déjà à faire aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui s'est passé dehors ? C'est quoi ? C'est une météorite ou quoi ? Darkito, mais il se passe des trucs bizarres, non, sur Brookhaven un peu ? Tu devrais pas aller voir les gens et tout, et les aider, un truc dans le genre, je sais pas, t'as été élu ou pas ? Hé, hey, Miss Darkito ! Miss Darkito ! Hé ! Hé, Miss Darkito ! Miss Darkito ! Oh, faut que tu sortes d'ici. Je crois qu'il est devenu un peu méchant. Oh non, il s'est retransformé en Diablito. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, vous me faites vraiment une blague. Et le ciel, là, comment c'est possible? Vous réussissez ça comment? C'est trop bizarre, il se passe vraiment des trucs bizarres. Bon, les amis, là, je pense qu'il y a un problème. Comment ça, Miss Darkito, il est plus mini? Bah, t'es devenu grand ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et Darkito, bah, c'est bon, là, t'es supposé plus être rouge? Oh non, je crois qu'il se passe un truc vraiment bizarre. Peut-être que je suis réellement en 2064 et peut-être que le monde il est vraiment en train de se détruire. Je pense que là, on est vraiment en train d'avoir une fin du monde imminente. Ma petite dame, faut vraiment que je vous ramène en 2024. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Ici, le monde a l'air de s'effondrer. Oh non, il faut absolument que je prévienne Darkito. Comme quoi, ça sert à rien en fait. On va être voué à. Ben non, en fait, il va se transformer en Diablito. C'est qui déjà ça? Oh, ben le ciel il est redevenu bleu? Ben ça veut dire que tout va bien? On est toujours en 2064 ou pas? Darkito, tu vas bien? T'es devenu. Oh, ben t'es redevenu normal? Tu sais que tout à l'heure tu m'as fait peur, hein, t'étais vraiment tout rouge! Non, mais ça sert à rien, t'as déjà voté et de toute façon on sait très bien les résultats d'avance. Je vais gagner l'élection, et oui, je vais devenir président de Brookhaven! Ah, moi, tout Brookhaven, ce serait trop cool, non? Tu trouves pas? Justement, à ce sujet, je vais te parler! Je pense que tu devrais tout arrêter. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de président sur Brookhaven. Et au pire des cas, bah écoute, bah chacun fait sa vie, non ? Pas besoin de président. Bonjour, je vais rencontrer le plus beau gosse de tous les présidents. Et en plus, c'est le plus jeune. Ah, Darkito ! C'est toi, j'ai voté pour toi. C'est qui elle ? Darkito, tu m'expliques ? Oh, elle sait rien, tu sais, elle se prenait pour une sorcière il y a quelques temps. Parler de diable, de trucs comme ça, vraiment trop bizarre. Non, ça veut dire que ça va vraiment se passer. Darkito, il faut tout de suite que t'arrêtes de la fréquenter et... D'ailleurs, attends, on est supposé être en couple, non? C'est quoi ce manque de respect, là? Bon, la sorcière, hop là, dehors, parce que je veux pas que tu deviennes un diable. Et en plus de ça, il sera même pas président, donc ça sert à rien, là. Allez, oust! Ah non, en fait, c'est la prédiction. Tout ce qui est supposé se passer arrivera. De toute façon, un jour ou l'autre, il sera président! Darkito, allez, je t'envoie plein de bisous et bientôt, tu vas voir, on va se kiffer tous les deux. Allez, ciao! Bon bah tu vois, c'est génial! Je vais devenir président un jour. Franchement, si tu l'aurais pensé ça... Mais attends, tu m'as parlé d'annuler les élections. Tu veux vraiment annuler les élections pour des trucs bidons comme ça? Oui Darkito, fais-moi confiance, il faut absolument qu'on annule les élections. Sinon je crois que tu vas devenir complètement fou, tu sais, tu vas prendre un peu genre le melon et tout, tu vas être entouré de gens mauvais, et tu vas devenir tout rouge et tu vas vouloir détruire la ville, et ensuite la ville elle va détruire et on pourra plus jamais aller sur Brookhaven. Ok, bon bah de toute façon il faut bien un président sur Brookhaven, tu sais quoi? Bah c'est toi qui allais être présidente. Allez, moi je démissionne d'ici et bon courage pour la présidence de Brookhaven. J'espère que tu feras une bonne présidente quand même. Ah trop bien, mais par contre tu sais que finalement je veux pas trop être présidente. Donc je pense qu'on va enlever la maison du président et puis il y en aura pas. En tout cas ce sera jamais mis Darkito, c'est certain. Hé hey, les amis. Apparemment, si je deviens président, je vais avoir des super pouvoirs. C'est ce qu'elle m'a dit une petite dame là il y a 2 minutes quand elle est arrivée ici. Oh non, ça recommence! Bah, du coup, j'ai entendu dire plus d'élections, plus de président. Mais du coup, on fait quoi de cette maison-là? Maison de président? T'as une idée,
Darkito ? Oui, attends, regarde, j'ai une idée. Il y a juste à aller ici, je crois que c'est sur le bureau. Et regarde, là, ça peut devenir l'agence secrète de Brookhaven. Vous aimez ? Non, c'est encore pire. Et en plus de ça, une agence secrète. Attends, mais elle est même pas secrète ici. On voit dans l'entrée le logo et tout. Ah, oh, Darkito, qu'est-ce que tu peux être bête des fois ? Oh, YouTuber, c'est pas mal. Au moins, on ferait plein de vidéos ici avec des scénarios et tout. Ah, oh, c'est trop bien. Ça, je valide, c'est bon, on fait ça. T'es d'accord, mine Darkito ? Oh, et pas qu'un peu, on pourrait faire des pranks, des vidéos de fous. Et en plus, on pourrait même refaire des métiers. Je sais pas si t'aimes bien, toi, qu'on fasse des métiers, genre sur ta chaîne et tout. Genre, moi, je pourrais devenir le plombier, le meilleur plombier de Brookhaven. Ou le meilleur, je sais pas moi, le meilleur pâtissier. Bah ouais, je fais des crèmes brûlées, avec du feu. Toi, plombier, mais attends, tu vas casser toutes les canalisations. Et si, imaginons, tu fais, je sais pas, genre de la pâtisserie, une crème brûlée, bah pour le coup, elle va être vraiment brûlée, ta crème, hein. Ah, oh, c'est n'importe quoi, une Darkito. Bon, pourquoi pas, après tout, penser que je devrais faire un métier la prochaine fois. Mais dans ce cas-là, quel métier? Bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.